Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition du Diaspora Show. Il sera essentiellement question tout au long de cette édition de musique du côté du Luxembourg et nous reviendrons aussi à Paris avec les femmes balingou de France. Nous irons du côté du Luxembourg avec la promotrice Mimi Matisse qui a rassemblé autour d'elle la diaspora des trois frontières avec en prime Barbara Clémence et d'une part et le baryton de l'Est de l'autre côté. Bonsoir, ici Mimi Matisse, la chancelière du Luxembourg et à sa quatrième édition de la Blue Night Party. Voilà, c'était une très très belle soirée. Je suis très fière de moi, fière de mes invités qui ont toujours respecté ce thème qui est la Blue Night Party de Mimi Matisse depuis le Luxembourg. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est merci de votre présence. Merci pour tous ceux qui ont fait le déplacement de tous les trois coins du monde pour venir honorer Mimi Matisse au Luxembourg. Je vous remercie infiniment. Merci à tous. Rentrez en paix et que le bonheur pour la prochaine édition. Bisous, bisous et à très bientôt, Mimi Matisse. Attention, les représentants de l'ambassade du Cameroun en Hollande. Let's go.
Sayama. Oh,
mariage, l'anniversaire de notre mariage. Je ne m'attendais pas ça. Ça, c'est un honneur pour moi. Et la soirée était excellente, bien. Si, Mathis, tu as fait waouh. Et il n'y a pas de mots. Je veux seulement dire que va de l'avant. Oumelema. Rapidement, allons du côté du Blanc-Ménil où les femmes du village de Balingou, l'un des 13 villages du département d'Undé, se sont retrouvées, n'est-ce pas, autour de cette diaspora massée dans cette magnifique salle où on s'est retrouvé presque 700 personnes pour vibrer au rythme des sonorités, au rythme de la culture, au rythme de la gastronomie africaine. Ce fut également un grand moment de communion de toute la diaspora avec un menu gastronomique aux saveurs africaines offertes et une belle ambiance musicale autour des artistes Laïe du Benskin et le grand retour sur scène de l'artiste Guy Watson. Tout cela en image avec les éditions Sopiprod Paris. Satisfaite, le grand il est. Franchement, cette soirée, tu me vois, ça a été difficile, mais on a parvenu à remplir la salle, à réunir tous les enfants Balingou et les amis de la diaspora autour de nous ce soir. Et merci beaucoup. Et j'aimerais remercier toutes les associations qui étaient présentes. Et merci à toi aussi, parce que tu t'es libéré pour venir nous soutenir. Et je remercie, ça c'est un membre de l'association Binam qui nous a soutenus en prenant une table de Mamani de Paris, en prenant une table de 1000 euros pour dire je soutiens les femmes Balingou. Merci, merci beaucoup. Franchement, bref, merci Mamani. Je dis un mandat en beauté. Ah oui, c'est Balingou qui gagne. C'est le village Balingou qui gagne. Vive Balingou. Vive la présidente parce Balingou. Elle a osé. Elle y est arrivée. Merci, surtout avec ma présidente d'organisation, ma fille plus chérie, Madame Godon. Vraiment, elle ne savait pas qu'elle-même avait ce potentiel en elle. J'ai soutenu, mais franchement, j'ai pas eu tort. J'ai pas eu tort. L'union a gagné. Je te remercie, comme j'ai dit, Grand Dilet, merci beaucoup. Et vraiment, cette énergie que nous avons aujourd'hui, j'aimerais inviter tous les enfants Balingou de saisir cette énergie parce que cette énergie, nous avons donné notre nouveau chef. Qui est jeune, qui a une vision de jeunesse,
qui veut que le village Balingu demain soit un village de prestige, un village choisi, vraiment j'invite tous les enfants Balingu de se joindre à nous pour qu'on construise Balingu de demain. Et que l'énergie que notre chef a, que nous prenons cette force pour construire Balingu de demain. Oh, Jesus, you're the Lord.
Fabuleux, magnifique, tout s'est très bien passé et je suis très content d'avoir participé à cet événement où j'ai été choisi par la présidente des femmes Balingou, des femmes Balingou ici à Paris. Alors je suis très heureux d'avoir été choisi pour sponsoriser cet événement. La soirée de Balingou, c'était fantastique. C'était génial. Mais déjà, la fête était très belle, il y avait du beau monde et vraiment aucun regret d'avoir fait le déplacement et de présenter à ce beau public ce que c'est que Madivan Maison d'Hôtes, sachant que cette œuvre a été mise en place parce que j'avais constaté qu'il manquait une structure capable d'accueillir des personnes de la diaspora en recherche d'un confort en fait. C'était ma première soirée camerounaise, c'était très intéressant. Je me suis amusée, j'ai dansé, j'ai bu, j'ai bien mangé. Et bonne soirée à tous, au revoir. Les impressions pour ce soir, la soirée était magnifique. Bon, il y a eu beaucoup de... Bon, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est la première édition, hein. Donc on ne peut pas les en vouloir. Elles ont essayé. C'était magnifique quand même. Nous avons assisté à une très belle soirée. Une soirée avec une affluence assez remarquée. J'imagine que ça a été une surprise pour ces braves dames. Merci d'avoir été de nous tout au long de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition beaucoup plus alléchante. À très bientôt.